Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Bienvenue dans mon modeste balcon, mais bien bien vert, hein. Il y a tout qui pousse, ma collection de cactus, de plantes crasses et évidemment mon citronnier en pot. Alors, et là, on va faire une petite vidéo. Alors désolé, j'aurais pu laver un peu tout ça, non pas les pieds, hein, mais voilà, mais bref. En gros, ça fait un petit peu nature. Vous avez vu, mon citronnier en pot est méga grand, il a bien poussé. Alors à ses pieds, j'ai mis de la menthe. Là, elle est un peu faiblichonne parce que bon, c'est la fin de l'été, mais elle est encore belle. Non, non, tu rigoles quoi, elle est vraiment belle encore, je dis n'importe quoi. Elle est vraiment classe. Le citronnier a bien bien poussé. Alors, il faut faire... ça sent trop bon, j'ai les doigts qui sentent trop bon, parce que la menthe, là, sent trop bon. Là, c'est un petit pommier en pot. Bon, bref, je vous montrerai ça une autre fois. Le but aujourd'hui, donc, je vais faire le rempotage. Alors, j'ai utilisé ce produit d'algoflash qui est vraiment totalement adapté à la chose. Voilà, donc à la fin de l'été, tout début du printemps, on fait le rempotage donc de ce qu'on appelle de votre citronnier en pot, par exemple. Donc, ça va être donc le but de cette vidéo. Donc là, il va falloir que dans ce mini espace, je le fasse, mais ça va le faire. Allez, attendez, je l'ai sorti de sa place. Regardez la taille qu'il a, le truc. Il est immense, il fait toute la largeur. C'est impressionnant. Donc en fait, il faut vraiment les rempoter quand vous voyez que les racines, elles sont, quand ça a pris trop de place, quand ça a bien grandi, c'est le moment de rempoter. Donc ça, faut vraiment pas hésiter, sinon après votre citronnier va commencer à péricliter. Là, il est devenu bien immense. Alors, je sais pas si je peux reculer encore un petit peu. Voilà, tu vois. Donc là, essayez de distinguer le feuille. Tu vois, ça part de là jusqu'à là et tout. Là, il est vraiment grand. Donc on y va. Donc la première étape, bah, je vais poser le pot. Alors je vais l'allonger. Vous allez voir. Une fois qu'il est allongé, je vais le tapoter un petit peu pour que ça facilite la sortie. Ah oui, vous pourrez noter que là il y a des petits points, c'est pour le surplus d'arrosage pour pas que ça pourrisse. Donc tout au fond, j'ai mis un lit de billes si tu veux, et juste au-dessus, voilà, comme ça, quand il y a trop d'eau, ça s'écoule. Juste pour vous dire. Attention à ne pas vous faire mal parce que je me suis fait un peu mal. Le citronnier a des petites épines. Donc quand vous tirez dessus, faites gaffe. Donc là, je vais juste faire des, si tu veux, des, je vais le tirer un petit peu comme ça, dès la racine, en faisant des droites gauche et le ramener. Je sais pas si ça se verra trop à la caméra. Là, j'ai arraché plein de racines au passage, mais ce qui est pas plus mal. Là, regarde comment c'était bien bien dense. Je vais donc le rempoter maintenant. Alors je vais d'abord, donc je le pose là, tranquillou, et je vais d'abord vider l'autre terre. On voit pas très bien à la caméra, mais là j'ai gratté jusqu'au fond, et il y a des grosses racines qui vont jusqu'au fond. Tu vois ce que je veux dire? Là, regarde, t'en as plein. Là, j'ai un peu remué la terre. Alors vous remuez bien la terre, hein, quand même, quand vous arrivez, pour l'aérer, si tu veux, la terre. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des racines. Tu vois, regarde là, regarde. T'as encore des racines, c'est un truc de ouf. Le truc, mais en fait ça touche le fond, ça a transpercé et ça va jusqu'aux billes où justement il y a l'eau. Donc vous remuez bien. Là, il s'agit d'un repotage, vous n'êtes pas obligé de changer toute la terre, hein. Tu vois, tu peux lui laisser un peu, voilà, vu qu'elle n'est pas toute morte. Mais justement, par contre, le fait de raccourcir les racines, je trouve que c'est bon signe. Enfin, c'est bon, c'est pas que c'est bon signe, c'est quelque chose de bon. Donc voilà, tu vois, regarde, là, on retrouve encore plein de racines, il y a plein de racines. Ça. Et là, si tu grattes vraiment encore plus profond, oh, c'est rempli de racines. Donc, il a bien été jusqu'au fond. Et toi, et je vais mettre le nouveau terreau. Et il y a un petit mélange au fond de pouzzolane aussi. De pierre pour que ça draine un petit peu, tu vois. Donc tout au fond il y a du pouzzolane comme je vous ai dit, donc des billes ou du pouzzolane, tu fais comme tu veux, mais moi j'ai mis du pouzzolane, mais je préfère les billes finalement parce que c'est plus léger, tu vois. Le pouzzolane, ça pèse plus lourd et c'est pas, ça fait pas mieux, quoique c'est un peu plus poreux, je trouve que c'est un peu plus poreux, ça retient mieux les vitamines. Mais bon, hop là, voilà. Bon, écoute, là c'est bien remué. Je pourrais vous faire un suivi de l'efficacité du terreau, mais là, c'est plus que c'est exactement ce qu'il faut en fait. Terreau, plante méditerranéenne ou et agrumes, bah là c'est un agrume, donc ça sera parfait. Hop là. Ouais, c'est du terreau rempotage et surfaçage. En fait, le mélange il est genre juste parfait, tu vois. T'as tout ce qu'il faut pour le drainage et tout. T'as pas besoin de te faire un mélange et tout. Là, il y a tout ce qu'il faut en oligo-éléments, en tout. Là, je positionne le pied là. Tac. Je l'ai bien positionné, on tasse un petit peu quand même, on enfonce bien. Alors eux, ils vont pas m'embêter, je vais les mettre comme ça. Vous savez, la menthe, c'est quelque chose de génial, mais ça peut très vite devenir un invasif. Alors, je peux y aller avec plusieurs techniques. Moi, j'aime bien, je suis un adepte du moindre effort. Si évidemment, c'est bien fait. Hein. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Hein. Mais à partir du moment que c'est bien fait, bah, je fais le moindre effort. Enfin, la technique qui me coûte le moins. Ok, tac. Elle va repousser, là il y a un bon pied mère là, laisse tomber, hein, le truc il va bien repousser. Hop là.
Et voilà, c'est tout easy, tu vois. Et là, je fais une nouvelle beauté, regarde-le. Mais là, il est prêt pour repartir vers de nouvelles aventures. Faudra que je le taille un petit peu. Et voilà, là, il rejoint sa place. Regarde-moi ça, comment il est magnifique. Regarde l'intensité de son vert. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous comment vous avez fait. Voilà, moi alors comme vous le savez, je suis fan de jardinage. Là, je suis en appartement. Bah écoute, je me fais plaisir comme je peux. Là d'ailleurs, j'ai d'autres trucs. Regarde, là, je te montre vite fait. Hop là. Ah, il s'arrête pas le truc. Il faut que je le. Faudrait que. Ok. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Mettez en commentaire vous comment vous élevez vos plantes. Enfin, comment vous rempotez vos citronniers en pot si vous en avez. Et si ça vous intéresse. Là, regarde. Ça faudra aussi que je vous fasse une vidéo un de ces quatre sur les cactus et les plantes grasses.